mais Mathieu, tu cherches quoi ? Eh bien, je cherche une pépinière. Pour relooker notre jardin et fleurir nos balcons. Qu'est-ce que tu penses de la pépinière Le Séjour à Saint-Gonéry ? Ah ouais ! Le site a l'air sympa. Et l'équipe aussi ? Allez, on y va ! Bonjour monsieur. Bienvenue aux pépinières André Le Séjour à Saint-Gonéry. Là c'est grand. Et Mathieu n'est pas là. Il faut encore que je me débrouille toute seule. Allez hop. Je vais du côté des arbustes. Ah, c'est sympa ça. Allez, ça lui plaira. Ça irait bien côté de la piscine. Elle est en plastique la piscine, mais bon, ça ferait joli quand même. Maintenant pour les balcons. Ça, ça fera l'affaire. Les géraniums, il y en a du choix. Embarqué. Bon, maintenant j'ai besoin de conseils. Mais d'ailleurs, c'est quoi un pépiniériste ? Bonjour, je suis pépiniériste, donc je fais de la vente d'arbres et arbustes pour l'extérieur. Je fais de l'horticulture également, donc toutes les fleurs que vous trouverez au printemps et à l'automne. Et nous dessinons aussi vos jardins et nous allons également chez vous planter des végétaux. J'ai lu à l'entrée les artisans du végétal. Ça consiste en quoi ? Alors les artisans du végétal, c'est une association de plus de 250 producteurs dans toute la France, des collègues et amis qui font comme moi de la vente directe et qui sont avant tout producteurs. En fait, c'est un label, un gage de qualité pour le client. J'ai vu sur votre site que vous faites des animations sur l'année. Et en ce moment, c'est quoi ? Les animations actuellement, par exemple, on a une animation autour des épouvantails, une exposition d'épouvantails, où les gens peuvent venir et puis voter pour le plus bel épouvantail qui a été réalisé par des écoles. Dis donc, il a l'air à l'aise, Blaise ! C'est un vrai métier et un réel savoir-faire. Il y en a des godets. Ah oui, il faut pas oublier la taille. Surtout bien arrosé. Pas que des fleurs, mais des fruits. Les gariguettes. Allez hop, dans le panier. C'est pas le tout. Mais Mathieu m'attend et leur tourne. Allez hop, à la maison pour planter tout ça.